Salut à tous et bienvenue dans le championnat des pros 2012. Nous voici de retour à Bordeaux après un premier match remporté par Michael Siani sur un score de 2-0. Nous retrouvons Lamine Sané qui défendra les couleurs du Bayern tandis que Faïd Ben Khalfala opte pour le Barça. Oh, il y a pénalty là ? Non, par contre pas là-dessus. On est bonne, je crois. Je sais pas si il y a une pénalty. Donc si je reste au milieu, en fait, je l'arrête quoi. Oh ! Et voilà ouverture du score sur un pénalty en faveur du Bayern. C'est vilain. C'est vilain. Attends là-bas. Égalisation de Faïd sur un beau but de David Villa. Et hop, doublé de Villa. Ah, le Barça fait des attaques, faire des Oh ! Et voilà, défaite de Lamine Sané qui pourtant était donné favori. Je suis revenu de loin, ouais, c'est vrai, j'avoue, c'était dur. Hein. J'ai souffert. Je suis pas le favori, moi, c'est ce qu'ils pensaient, mais. Ils sont trompés, la preuve, Faïd m'a gagné. Oh, Lamine, il était favori, il a dominé, il a eu beaucoup d'occasions, il a pas marqué, c'était l'efficacité, mais. Bon, il est meilleur que moi, hein, normalement. Moi, j'ai pris Bayern, non, parce que j'aimais le Bayern. C'est une équipe offensive qui a très, très bonne qualité devant, avec notamment Gomez. C'est le meilleur buteur en Allemagne. Et j'ai pris le Barça parce que c'est la meilleure équipe au monde. Et puis voilà, pour jouer, faire des passes, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, c'était un match difficile. En plus, j'ai pris un carton rouge d'entrée, il menait 1-0. Mais voilà, j'ai eu de la chance d'être efficace, et ce qui n'a pas été le cas de Lamine. Si on pouvait jouer comme ça, tout en faisant aussi simple et marquer autant de buts, Ça serait beau, mais bon, c'est que des jeux. Si, quoi que le Barça, en vrai, ça ressemble à la console, surtout Messi. On est limité techniquement quand même. Après, on peut évoluer avec des bons joueurs comme Messi, comme David Villa, comme Sanchez. Voilà, c'est des très bons joueurs, Ribéry, Robben. Faïd Ben Khalfala rejoint donc Michael Siani en haut du tableau. Reste à savoir qui ira représenter les couleurs de Bordeaux pour la grande finale nationale du championnat des pros. Ouh, je pense que Mika maîtrise bien le jeu. Et ben, on a déjà joué à Paris, il m'avait gagné. Et je pense que Mika. Après, on sait pas, Faïd m'a gagné, donc on sait jamais. Les favoris, c'est lui qui a la pression. C'est eux qui ont la pression. Lamine, il avait la pression avant le match. Maintenant, c'est Mika.